Alors, nous sommes à l'épisode 8, détruire les bases Protoss, ok, t'as un pion noir, ok, ça roule. Allez, allez, plus vite là, j'ai quelque chose à faire sauter, bon. Voilà, alors, utiliser la capacité peste pour endommager lourdement n'importe quelle unité ou bâtiment, infligera jusqu'à 300 points de dégâts à cible, mais détruire un peu. Ok. Ça va être Kerrigan qui a cette attaque. Peste. Qu'est-ce qu'il y a la peste alors? Ah voilà, donc ça y est, j'ai les canaux de Nidus. Voilà. Ah. Tu peux faire un dominant sur ça. Ça, tu peux faire aussi dominant. Attends. En vrai, il faut que je fasse ça. Voilà. Allez hop. Donc t'as 1, 2, 3. Dominant. Balise Zerg. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, 2, 3. Alors, faut que j'attaque des animaux. Je ne sais pas encore où ils sont. Ah, j'ai des ultralisques, ça y est. Alors, ça fait 20 points de dégâts. Carapace Zerg, ok. Allez hop. C'est quoi ça? Dégagez! Tu vas là-dedans. Tu sors par là. Voilà. Allez, gamin. Pour relier entre eux par un système métaphysique. Allez, on va passer par. Oups là. On redécale la map. Ah bah non, c'est l'arbre. On passe par là. La base gold à se faire là. Avec mon ultralisque. Alors, repositionne tes seigneurs, celebrate une seconde. Alors, maintenez la position de vos seigneurs. Ah! Ok! Ah, bah oui, effectivement. Ça a l'air dommage, je veux pas voir ce qui se passe. Un Templier Nord s'est échappé. Attends, mais je comprends pas cette histoire là. On doit vous échapper. Ok, bon, on recommence. On va commencer la mission. Voilà, tout le monde là. Allez, tu peux envoyer ça là. Est-ce que Kerrigan va survivre? Je suppose que oui. Kerrigan va survivre. Ok. Alors, il s'enfuit, du coup, je sais pas trop comment ça marche, là. Un ultra disque. Et ouais, ils sont invisibles. Alors, donc, t'as 1, 2, 1, 1, 2, et 3. On fait attention. Tiens, je vais envoyer quelqu'un là-bas. Tac, là. Voilà, vous êtes tous là-dedans. Toi, tu peux descendre avec eux. Toi, c'est bon. Allez, hop. Tout le monde aux ressources! Et c'est le masque ultralisque. On part sur un masque ultralisque. Attends. Non, non, je présente. Alors, c'est quoi le truc en fait? Objectif de mission, détruire les bases Protoss. On fait ça. Voilà. C'est ça, un Templier noir. Okay.
Allez, gamin, t'es là-bas, toi? Voilà. S'il y a un truc qui m'attaque chez moi, je ne le souhaite pas. Voilà. J'en ai combien? J'en ai beaucoup là, je pense. Peut-être déjà assez, même. Hop là. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, parce que là, j'ai Kerrigan de ce côté-là. Je peux y aller comme ça, hein, en mode. Pièce, piège. C'est quoi la capacité qui est marquée? Ah, ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Il faut que je fasse ça. Ah voilà, nickel, avec un dominant je peux checker ce qu'il y a là-bas. Fait peur ce truc là. Hop. Allez, vas-y. Là, vous trois, vous êtes arrivés là, vous allez là-dedans. Tiens, un petit dominant. Allez, vas-y. Je crois que les templiers noirs là, donc c'est comme des fantômes là, ils peuvent se mettre invisibles. Mais je crois que c'est en permanence. Alors ça, donc ça finit d'être prêt. Hop. Ah bah voilà une jolie mine. Comme je les aime. Ah, et ben non, ça va pas être possible. Alors toi, tu sais construire les bâtiments, chambre d'évolution, bassin génétique, et je vais faire une deuxième chambre d'évolution. Voilà. Ok. Donc, toi, tu peux aller par là. Si tu arrives, attends, parce que je me méfie quand même. Méfiance! Vas-y, ouais, je vais y aller comme ça. Voilà. Allez hop, tout ça va aller dedans. Bon, là, je pense qu'on est bon. Passage génétique. J'ai ça qui arrive. Ah, là aussi, il y a. Ah non, c'est pas une base. Enfin, si, c'est une base, mais. Moi, je cherche des minerais. Alors, de ce côté-là, c'est bon. Je vais commencer à faire des air killing. As soon as possible. Alors, est-ce que tu peux faire. Il faut vraiment le bassin génétique. Terrier, terrier, ruche, ruche. Alors, ça, entre profanateur, ultralisque. Oh, il y a plein de trous. Ah, ta ruche, ton terrier, pardon. Allez. Voilà. Hop, t'améliores là. Ça t'améliore comme ça. Pas assez de minerais, mais c'est scandaleux. Voilà. Je peux améliorer quoi. Je peux faire un nouveau bâtiment, je peux faire pour les hydralisques. Ça coûte pas grand-chose, on va dans le faire. Le faux. Alors je me fais attaquer là. Où est-ce que je me fais attaquer? Ah non, c'est là. Voilà. Et là, je me suis fait attaquer là et j'ai perdu un dominant. Ok. Bon, alors là, donc on a les petits Zerglings qui approchent tranquillement. Tiens, on va aller là. Tu peux faire aussi amélioration des Zerglings. Voilà. Tu augmentes leur vitesse. Ça, c'est pour les hydralisques. Pour le moment, t'en as pas un. Ah, si, oui, tu vas le faire. C'est l'autre, ok. C'est un peu comme la mission, la première mission mort-vivant dans l'extension.
où tu as les trois bases à gérer. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est plus simple. Beaucoup plus simple. Ok, alors. C'est où? Voilà, c'est ça. Tu peux aller là. Je vais faire des hydralisques. Je vais faire quelques hydralisques. C'est pour ça que je vais faire, bon, c'est pas... je vais faire un dominant maintenant. Alors je me fais attaquer en bas. Pourquoi? Par quoi, pardon? Ok. Ça. C'est bon, normalement j'ai assez d'hydralisques. On peut tous. Elles peuvent toutes aller là. Toi, tu dois des unités aussi là en rap. T'as hydralisques, t'as des airwings. Il y en a là. Petit truc. Hop, t'en vas jusqu'à là-bas. Voilà. Et ici, tu vas faire des ouvriers. Voilà, tes ouvriers, tu vas les envoyer là. Et c'est parti. J'ai peut-être trop préparé, mais bon, mieux vaut trop préparer que pas assez, bien sûr. Allez, voilà, c'est bon, c'est torché. Idéaliste, tu peux mettre là. Et ben voilà, il n'y a plus personne. Opération de nettoyage terminée. Voilà, tu peux mettre ça là. Tu fais une petite couveuse. Allez pour les hydralisques. Tu vas continuer d'améliorer tes unités à fond les ballons. Alors, on va faire gaffe quand même. Je pense que je vais descendre tranquillement par là. Ouais, ils sont 1 million. Regarde, il y en a 1 million là. Un bon million. Pas tellement fort. Ok. C'est bon, allez hop, on y va, on détruit. Allez, on casse. Laissez aucun survivant. Évidemment, Kagan nous survivre. Il va faire reculer dès que possible. Tiens, ça, faut le buter rapidement. Butez-moi ce ravageur. Voilà. Allez, ça. Voilà. Ouh, mais il y en a beaucoup des monstres comme ça là. Vas-y hop, le bac. Putain, je suis mort. Mon dieu, mais oh, ça te bute en 2 secondes ces trucs là. Bon. Nous avons compris ce qu'il fallait faire. Putain, c'est dommage de crever comme ça aussi rapidement. Allez, on recommence. Je vais y aller avec ça.
Alors ça c'est 1, 2, 3. C'est bon, tout le monde là-bas? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est pour ça qu'il regarde, il faut laisser en défense. C'est abusé ce qui peut t'arriver. Tempête option. Allez, ça back. On va faire une troisième fois. C'est bon, donc ça c'est mort. Allez, la couveuse, une nouvelle couveuse. On produit les bébés ici. Voilà. Nouvelle coupeuse, tac. Scarabées, ils sont bien puissants, hein. Hein? Allez, go. Ah, quoi que ça va être trop long, alors je les envoie là pour plus de rentabilité. Tiens. Tu vas rester là. Et eux. Voilà. Tu peux en envoyer un là. Et troisième. Oh putain, il y a un mec qui s'est échappé. Oh le fail. Putain, c'est relou. C'est relou. Allez. Monsieur se complaît dans le fail, visiblement. Commence. Oui, maître. Voilà. Hop. Tout ça, on y va. Bon, sur les gros ours, ils sont là. Allez, on est parti. Allez, 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 voilà. Alors, c'est ça que je veux faire. Moi ces trucs. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Super résistant ces trucs, hein. Alors ici tu peux envoyer des hydralisques en plus là-bas. Ça, alors ça, tu vas faire couler le truc. Ouais, bien. Je vais te faire une coupe tout de suite. Clic. Voilà. Kerrigan, tu peux envoyer là. Et tu peux envoyer. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la ruche numéro 1. La couveuse, pardon. 2. 3, 4. Alors j'aurai besoin de zergling plus ou moins rapidement. Elle est là, vite, faut que tu ailles là-bas toi. Avant qu'il y ait encore une attaque de ouf. Attends, faut aller là. Bon, par contre, où il faut que je fasse mes unités. Allez, on récolte, on récolte, on récolte. Plus vite. Plus vite, plus vite. Là, j'ai pris les ressources. On continue sur ça.
toute façon, à partir du moment où, regarde, où j'ai quatre couveuses et que je peux même pas créer avec une seule couveuse, les trois autres ne servent à rien. Là, ce qu'il faut, c'est une fois que la première je serai débordée, alors ok, c'est-à-dire que je pourrais commencer à utiliser la deuxième, et ainsi de suite. Et là, il faut que je crée à fond des mecs comme ça. Je suis vraiment, c'est pas que des ouvriers, je suppose. Attends, hop. Ouvriers. Gagne quand t'as mis. Et hop, avec ça tu peux commencer à checker rapido ce qui se passe dans la map. Voilà. Toi aussi. Aussi. Ben voilà, on a une nouvelle gouveuse prête, la quatrième. Donc limite, je crois que toi qui es la numéro 4, voilà. Attends, non, pardon. Toi, donc tu passes à la numéro 2, parce que t'es importante. 3. Alors, tu peux faire DD, c'est la 1 et 2 qui soit qu'il faut déborder. Voilà. Et avec les 3 et 4, tu peux faire des dominants pour le moment. Si tu vois, évidemment, il y a submersion. Allez. Tranquillement déplacer ton dominant. De toute façon, il va pas se déplacer plus trop tranquillement. Allez hop, tous ces petits monstres vont là-bas. Ils ont l'air amical comme ça, mais si vous les croisez en vrai, ce sera pas pareil. Et voilà. Voilà, on commence à être positif. Le rendement commence à être positif, les gars. Voilà. Vous pouvez aller là-bas, aider, vous aussi. Voilà, c'est bon, ça devient bien. Putain, mais attaque! C'est fou, ça. Ouais, alors va falloir que je crée un... Alors je crée des bâtiments pour les unités là. Et vite. Alors tous les bâtiments pour les unités, je vais les créer en bas. Je vais les créer ici parce que là en fait ceux qui sont là, les ouvriers que je crée là, ils peuvent venir ici. Ceux qui sont là, bah, ils vont dans les minerais. Et ceux-là, bah, ils vont servir à créer des bâtiments. Chambre d'évolution. Passage génétique. Et une deuxième chambre d'évolution. Voilà. Toi, hop, tu vas faire les dominants. Hop. Voilà. Alors, 4. Allez, go, tout le monde là. Tout le monde dans les cristaux. Il n'y a pas de honte. Allez, mais l'argent. Voilà. Ça, tu peux améliorer. Ça, tu peux améliorer. Ça, c'est important d'améliorer tout de suite. En fait. Qu'est-ce que tu peux faire? Là, tu peux améliorer ça.
toi, tu peux améliorer, tu peux faire, pardon, ceci. Voilà. Ok. Pense que c'est quasiment bon. Voilà, après j'arrêterai de faire des ouvriers. Je peux faire. Ah non, c'est bon, je peux faire des araignées. Donc là, numéro 4, je vais faire des araignées. Tic. Faire le bâtiment pour les araignées, c'est celui-là. Hop, j'augmente leur vitesse. Ouais, alors ça, tu peux aller là-dedans. Comme ça, t'en auras 3. Comme ça, t'en as 3. Et là, comme ça, les 3, ils vont aussi là-bas. C'est bon. Voilà. Alors maintenant. Alors, 1. 2. Je sais pas s'il y a une entrée ici. Oui. 2. Et la 4, c'est laquelle? Ah, c'est celle-là. Et 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Voilà, donc maintenant je suis positif au niveau du rendement. Alors je peux créer un terrier. Voilà. Ici, je vais créer Daniel Dorlis. Je rappelle 1, 2, 3. Ok, il faut que je fasse des deux. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Enfouissement, bon, c'est pas grave. J'utiliserai jamais, mais bon. Bon, c'est parti. Bah non, j'ai rien amélioré encore. Si, si, j'ai tout amélioré, faut pas déconner. Il y a plein de dominants qui vont venir. Hein. Plein, 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 plein. Alors, voyons voir un peu. C'est bien pour ce coup de ça. Ok, alors là c'est bloqué, on est séparé par les falaises. Et là, regarde, attends, là il y a une falaise tout le long. C'est vrai ce truc? Alors. Oui, on voit. Bon, je vais mon terrier. Ouais. Tu peux améliorer les trucs un peu chelous qu'il y a là. Ouais, il faut que je crée. Non, il y en a peut-être trop ici. Alors, ouais, il y en a trop ici. Je vais créer un lit de rêve. Voilà. Là, j'ai de plus en plus de zerlings. Voir ce qu'on peut faire avec un bataillon de 12 zerlings. Tiens, je pense que tu peux facilement les vaincre, ceux-là. Alors, deux dragons contre 12 zerlings. À la fin, il me reste 11 zerlings. Donc, je suis gagnant dans la bataille. Largement. Casse-moi ce truc-là. C'est mieux casser les tours, hein, je pense.
Alors ici, au fond du monde, dans l'histoire. Ouais, donc c'est bien ça là, on est coupé. Et on se rejoint quelque part. Ah, tu vas faire dans les ici. On continue les terriers. Alors toi, tu veux faire une ruche. Ça qui est fait. Et oh les gars là. Ton mission c'est de le buter ce truc. Putain, 150 PV, mais c'est tout de ouf ça. On a réussi, mais bon. C'est pas évident, évident ce truc, hein. Allez. Voyons voir. Allez, go. Il s'est fait exploser. Mon attaque là, elle était pas géniale. Hein. Alors, je peux mettre le 2 et la 3. Voilà. Ici. Pour l'attaque numéro 4. Il y a combien de bases autour de moi là? Faut voir un peu là. Déjà, il y a plus d'unité. Ouais, j'en ai plein. Allez, go. Enfin, je vais juste avec mes airlines, comme ça tout va bien. Plaçage génétique, j'ai ma ruche. Vitesse de déplacement augmentée. Okay. Il y a eu un petit massacre, mais il s'en est bien sorti. Ok, alors il y a le bleu clair et le bleu foncé. Ah, là il y a une. Putain, j'avais pas fait gaffe. Voir, je peux y aller, moi. Allez, vas-y, go. C'est tellement fort ces trucs. Ah ouais, c'est 100 de dégâts. Rien que ça. Ok. Je vais rester sur moi pour faire des virages. Voilà. Un peu d'hydraulisme, ça fera pas de mal. Bon, on peut tous y aller. Oh, alors. Voilà, il y a sûrement des bases qui sont plus faciles à péter que d'autres. Oh, les dégâts de ces trucs là. Fort. 2. Bon, faut que je fasse des unités aériennes, je pense, parce que ces verres là, ils sont beaucoup trop puissants. Ils sont beaucoup trop puissants. Qu'est-ce que tu veux faire avec tes dominants? Ah oui, tiens. Envoyer un dominant là-bas. Voir un peu.
Ah ouais, y a des outils pour toi. C'est pas complètement cadeau non plus. Bon, lui, c'est peut-être lui hein, le plus faible. C'est peut-être lui le plus faible. Ce qui peut être sympa à faire, hop, on va découper ici. Là, c'est pareil. T'envoies des troupes ici. Bon, tout le monde est là. Vous êtes tous là maintenant. Voilà. Allez, voyons un peu les améliorations que tu peux faire. Mais c'est dans la liste que j'ai oublié de les améliorer, malheureusement. Je fais qu'une amélioration. Alors, les reines, on s'en tape. C'est un glitch. Tiens, tu peux aller là-bas. Je vais construire de nouveaux bâtiments, je pense. Oh oui. Oh oui, tu peux en construire. Construire. Fondateur, je sais pas. Sûr de ce que c'est, je crois que c'est le truc avec les verres là. Ressort des territoires, voilà. Et ultra disque, voilà. Ça j'aurai tous les bâtiments. Voilà, allez, vas-y. Tout le monde va vous déplacer dans le vert. Voilà. Prépare le bataillon. Putain, mais il y en a plein des mecs comme ça là. Allez, c'est parti. Go. Go. Laissez aucun survivant. Oh, ils sont trop forts, ces terres. Trop forts. Vite, faut vite écouter eux. Eh ouais, regarde, ils mettent mon armée en miettes. Attends, bon. Ah, je peux faire des ultra disques. Voyons un peu ultra disque. Il n'y a pas d'amélioration. Profanateur. Mais entre des profanateurs. Ok, ouais, je crois que c'est eux qui envoient les petits insectes. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, est-ce qu'on a du monde prêt? Oui, on a du monde prêt pour une nouvelle attaque. Allez, vas-y. Tout le monde peut aller dans ce verre-là. Donc il y a deux verres, si j'ai bien compris. Hop. Ce n'est pas un réseau de tunnels, c'est un tunnel. Voilà. Alors là, j'en ai combien là? Il y en a deux. Est-ce que tu as besoin d'avoir autant de... Je pense pas. Voilà, tu peux en mettre. En plus là-bas, c'est pareil. C'est une grosse attaque là.
C'est Seigneur des Anneaux, sauf que c'est moi les méchants. Tic-tac-tac. Allez, on envoie les olifants. Je suis pas assez moi, je devrais être plus vigilant, tu vois. Hop, tu mets comme ça. Hop, comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour l'assaut. Ne laissez aucun survivant, c'est tout ce que je demande. Pas de prisonniers. Rien du tout. Qu'est-ce que ça donne? Ça se passe bien. Ça a l'air. Côté à 20 contre 1, c'est normal. Alors, ils ont quand même. Ah, bonne attaque. Voilà, c'est bon. Je pense que le. On peut considérer que le bleu était. Affronte-moi, Tassadère. Bon. Une fois encore, j'en ai assez d'exterminer tes servants. Elle a dû dire ça parce que j'ai battu le bleu. Pour cubine des algues, mais ce n'est pas parce qu'il t'a très con dans l'ombre que nous n'avons pas le courage de combattre en pleine lumière. Il faudrait mieux d'annuler l'attaque. Allez, c'est bon, on a compris. Je ne suis pas un cérébral sans protection que l'on attaque à la faveur des ténèbres. Je suis la reine de pique. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. On revient dans la game. Cette même armée. A détruit tout ça, elle va aller maintenant détruire ce joueur là si elle y arrive évidemment. Alors, toi, faut que t'ailles là comme ça. Ok, ça a l'air de d'être plutôt propre par là. Alors il y a beaucoup de place pour moi là-bas. Allez hop, ce qu'il faudrait, on va là-bas. Oh, mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Allez, vas-y. On va là-bas. Voilà, allez. Je vais faire. Ah bah non, il faut que je fasse rien parce que. Voilà. Allez, on se prépare pour attaquer cette zone-là. Alors. Ah tiens, il y a des trucs là-haut. Bon, on va voir ça plus tard. Est-ce que je peux passer. Oh, attendez. J'avance mon armée par groupe. Voilà. Ah oui, ils peuvent monter. Bah écoute. On va envoyer un petit groupe là-bas. Un escadron de 12. Allez tous, vous allez à bouffer là. Vous allez tous à bouffer. Faire une couveuse là. Vous voulez bien le laisser construire son bâtiment, s'il vous plaît? Voilà. Donc ça, c'est détruit. Là-bas, il n'y a rien. Juste le vaisseau, faire gaffe. Je vais en envoyer 3. Ça va suffire pour le tuer.
Ok. Alors, pendant que les gens reviennent de la ruée vers l'or. Je vais en envoyer plus. Ce qui m'en reste. J'ai ça. Ça. Là, je vais préparer une attaque de ce côté-là. Je suis pas sûr qu'il fallait passer par là. Bah écoute. Allez hop. À l'assaut tout le monde. À l'assaut tout le monde. Allez, go. Voilà, il y a des cristaux en plus. C'est génial. Allez, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Alors là, il n'y a rien. Là, c'est bloqué comme ça. Attends. Ok, alors maintenant, je vais envoyer toutes mes unités ici. Rendez-vous ici. Là, il me faut des iralistes. Je veux pas qu'il meure bêtement. Toi, je t'avais demandé de faire. J'avais oublié de te le faire. Mentalement, je t'avais demandé de construire une couveuse. Regardez, il y a un truc invisible qui vient là, un observateur. Bon. Allez hop, tout le monde là-bas. On se prépare à une grosse attaque. Où est-ce que sont mes hydralisques? J'ai commandé trois hydralisques. Ah, c'est bon, ils sont là. Voilà, ils sont là, les deux vaisseaux là. C'est bon. Oui, on voit les observateurs là tout le temps. Allez, c'est bon. Feu! Alors, on laisse un observateur. Alors, est-ce que ça peut gérer cette grosse carrée? Il faut que je laisse placer ces mecs-là. Allez-y, allez-y. Bon, l'attaque n'était pas aussi bien que je l'espérais. Voilà, là, ça récolte dans tous les sens. Faire mes améliorations. Allez les gars, allez, allez, on attaque, on attaque. Mes petits barrages là pour que personne s'échappe. Maintenant, Protoss, vous allez sentir ma colère. Ok, enfin, et c'est fini. Enfin, t'as été long. On va dire au moins 50 minutes. Ah non, ah oui, mais je l'ai fait deux fois aussi. Ou trois fois, je sais plus.